parmi nous, c'est une magnifique soirée de jeu au foot, des conditions de jeu parfaites. C'est un magnifique animé fédéral. C'est une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. C'est vrai que niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes, par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant. C'est ce que je ferai, moi. Coup d'envoi de ce match. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? J'aimerais mettre à l'honneur Jordan Henderson. C'est peut-être l'un des meilleurs relayeurs en Angleterre. Il est vraiment très fort. Avec un passeur comme ça, le foot est plus facile. Oui, c'est évident, pas de surprise. Il tente de la jouer dans l'espace. Elle ne résiste pas au contact. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Rodri, De Bruyne, Walker, Mahrez. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est repoussé. Sans se poser de questions. Arnold. Van Dijk. Change le jeu. Le ballon sur l'autre aile. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Mahrez. De Bruyne. Peut-être une occasion pour Agüero. Manchester City qui cherche l'ouverture. En profondeur pour Mahrez. Bien tenté. Il a trébuché sur cette intervention. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Walker. Mais il va être sanctionné. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. C'est un coup franc très intéressant. Et on pourrait assister à l'ouverture du score. Ce sera le premier corner du match. Et la tête ! Très bon corner, et évidemment il en a profité. Beaucoup de sang-froid pour mettre sa tête. Le geste était parfait.
Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les alliés adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Mendy. Mohamed Salah. Ça peut partir en contre. Il a un peu de liberté. Arnold. Oh, l'occasion peut-être pour Salah. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il allonge le jeu. Et là, du bout du front. Oh oui. Égalisation pour Liverpool. Quelle tête, mais quelle tête. C'est sensationnel, un très très beau but. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce but encaissé. Dans la profondeur, bien vu. L'interception, c'était chaud. Difficile de tirer dans la surface. Il va au duel. De Bruyne. Oh, quelle parade d'Alisson. Oh, le gardien est là, la classe. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Est-ce qu'on peut assister à un deuxième but sur corner après celui de l'ouverture du score? C'est dégagé, loin devant. Et il cède sous la pression. En profondeur pour Mahrez. Mahrez. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! C'est joué long. Robertson qui a de l'espace. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Ils ont changé d'aile. Wijnaldum. Arnold. Un long ballon vers l'avant. Coup franc pour Liverpool. Aguero, la longue passe. Le drapeau s'est levé hors jeu. Voici Mahrez. Voici Mahrez. La passe est précise, l'interception au bon moment. Le gardien loin devant, bonne lecture de la trajectoire. Il s'impose physiquement dans ce duel. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long. Il est passé. Il a sans doute un peu trop temporisé, c'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. Kyle Walker.
Il perd l'équilibre. Ça peut être extrêmement dangereux. La passe en retrait vers son défenseur. Wijnaldum. Il décide d'allonger le jeu. Arnold. La bonne passe. La porte. Quelle intervention. Oui, là, il y avait clairement faute. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Il donne le coup d'envoi de la seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Et le centre. Sterling. De Bruyne. Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Mahrez. Il va provoquer. Quelle frappe! Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer! Mais c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Liverpool qui utilise les forces de son effectif. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est bien fait, ça. Agüero. Le ballon renvoyé par le poteau. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est joué long, attention. Ça manque de soutien. Il revient dans l'axe. Le bon dribble. De Bruyne. Magnifique! L'arrêt splendide! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Roberto Firmino. Oh, le contre, l'arme fatale. Il cherche son coéquipier avec Roberto Firmino. Dans l'axe, Mané. Le but pour Liverpool. Quel comeback! Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprenaient à la perfection. Et le doublé. Et les voilà donc en tête. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Le centre de Walker. Il peut y aller. Oh, quelle parade d'Alisson! Rodri. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Bonne interception, il y avait danger. C'est osé, donc ça va partir vite.
La passe dans la profondeur. Shaqiri. Manchester City qui tente de belles choses là. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. C'est vrai, Grégoire. Il est passé. C'est bien joué. Cette possession un peu stérile. De Bruyne. Mahrez. Il frappe au but. L'arbitre signale une faute. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Il est bien placé ce coup franc, il pourrait la tenter directement. De Bruyne. D'oxygène pour sa défense. Mais il était bien présent. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. Je crois qu'ils en ont surtout marre de le voir tirer aussi souvent. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Bien servi. Il rejoue derrière lui. Mahrez. Et le cadre se dérobe largement. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. S'il le trouve. De Bruyne. Il y a danger. Long ballon dans le sens du jeu. Shaqiri. Voilà une bonne occasion de contre. Avec Roberto Firmino. Salah. Il rate le cadre. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin. Wijnaldum. Revoici Mohamed Salah. Il cherche la profondeur. C'est bien donné. Vous frappez là. Oh, c'est au fond. Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au but, il y a but. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. Un peu
peu de coaching, c'est bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. Et ce ballon vers ses attaquants. Le gros dégagement. Bernardo Silva. Mendy. Ça passe. Oh, l'occasion! Ça passe à côté d'un rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Sur le côté. Sterling reçoit le ballon. Énorme occasion. Et c'est un but. Et si c'était pas fini. Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? Mais c'est le joueur marqué de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Le match est terminé. Quel gâchis. C'est un énorme gâchis. Il menait au score et finalement, il s'incline dans cette rencontre. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est normal de vouloir gagner devant son public, bien sûr. Mais là, ils se sont trop jetés à l'abordage. Il faut mieux maîtriser ses élans offensifs, messieurs.